Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Joxbox TV. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau glitch. Donc là on est sur la saison 6, mais je vais vous présenter un glitch qui sera sur une autre map, la map d'Imagine, pas sur la dernière map zombie qui vient de sortir. Et c'est un nouveau God Mode, donc assez simple à faire. C'est un no target God Mode, en fait les zombies ne viennent pas sur vous. Bon, il y a quelques petites spécificités à avoir. Je vais vous expliquer tout ça. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous conseille de mettre comme talent amélioration de combat l'anneau de feu qui va vous permettre de tuer rapidement les mégatons, parce que d'après ce que j'ai vu, les chiens et les mégatons viennent sur vous. Mais franchement ça reste assez simple. Après, une fois que vous êtes dans le glitch, c'est super simple à réaliser et après vous êtes tranquille pendant pendant toutes les manches, sauf pour ça. Donc là on va lancer en privé, on va lancer sur D-Machine. Je vous conseille de mettre vos armes que vous souhaitez monter. Sachez que vous allez pouvoir les passer au pack à punch, etc. Choisissez l'arme qui vous plaira le plus pour celle que vous n'avez pas encore montée. Donc je vais mettre l'anneau de feu, ça c'est bon. C'est bon, t'as choisi ton arme toi? Donc voilà, là on est dans la map, il va falloir que j'ai 100 de matériaux rares parce que je vais devoir acheter la RCXD. Donc pour la RCXD, ça vaut 100 de matériaux rares. Donc voilà, les matériaux rares, c'est ceux-là, les bleus, hein. Donc pensez à les prendre. Alors il n'y aura que les mégatons qu'il faudra qu'on tue surtout, et les chiens. Ok. N'allume pas le pack à punch, hein. Okay. Ne fais pas les terminales, hein. L'électricité, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Les terminales t'attend. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais regarde, on en a reçu vu qu'on a passé la manche 10. Ok, donc là vous allez prendre la RCXD. Donc à l'atelier, vous allez dans soutien, vous prenez la RCXD, l'arc XD. Ok. Ensuite, vous allez dans la salle, tout en bas, où il y a l'électricité et le pack à punch. Allez, on va s'arrêter. Il y en a combien? 3. Allez, vas-y, on va les laisser. Ok. Allez, on est plus tranquille là, au moins. Donc, j'ai la RCXD, l'espèce de RCXD. Ils appellent ça autrement ArcXD en fait. Ils appellent. Pas pourquoi, mais bon. Donc là, ce que vous allez faire, vous avez l'anomalie, vous allez activer l'anomalie. Quand l'anomalie, vous l'avez activée, vous allez poser la RCXD. Alors, c'est parti. Hop. Voilà, vous mettez la RCXD. Voilà. Voilà, la RCXD va rester dans les terres noires. Là, vas-y, attends, je vais chercher la pièce, ok? Ok. Donc voilà. Les zombies sont que attirés par la RCXD et plus par vous. Donc du coup, bah, vous êtes tranquille. Et là, vous pouvez faire vos camouflages tranquillement, XP, etc. Sachez qu'il n'y a que les mégatons et les chiens qui viennent sur vous. Donc quand il y a les mégatons, cassez-vous de la RCXD parce que sinon, ils vont la faire péter. Et elle va disparaître. Mais sinon, voilà, vous avez les zombies dessus. Et vous êtes tranquille toute la game. Voilà, donc voilà, juste pour les mégatons et les chiens, cassez-vous de là parce que sinon ils vont envoyer leur les trucs dessus, le gaz, tout ça. Il y a le chien là. Le chien, faut faire attention parce que je pense que quand il y a un chien, tu as vu, il descend le truc. Donc je vais me décaler un peu, tu vois, quand même.
Après, tu vois, lui, là, c'est chiant quand il vient. Est-ce qu'il descend un peu la vie du... Pas trop, lui, je pense. C'est plus le mégaton qui m'a pété, là, truc. Il m'avait pété en 2 secondes, en plus. Attends, mégaton, mégaton, mégaton. Tu peux transporter, ouais, tu peux. Regarde. Ah non, tu peux pas. Non, tu peux pas. T'avais raison. Ouais, t'as raison. Non, tu peux pas, t'avais raison, transporteur, on va la refaire. On va la refaire ailleurs. Ok, ne pas utiliser de grenade aussi, les gars. En fait, c'est comme si c'était à moi. Peut-être que si lui l'avait envoyé, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de soucis. Allez, on va faire, hop. Par contre, tu vois, je sais pas si le temps que ça va rester, parce que t'as vu, elle s'use là, elle va descendre là. J'ai débloqué, je crois, la massue. Donc voilà, les gars, on a terminé. Bon, faut faire attention au mégaton, mais après, ça dépend où vous placez. Vous pouvez le faire en solo, hein, vous n'êtes pas obligé d'être à plusieurs. Sachez que vos grenades peuvent exploser la RCXD là. Et autre chose, ne pas redéclencher la RCXD, je crois que ça la désactive. Et sinon, après, voilà, les mégatons, faut pas qu'ils envoient leur truc dessus, voilà, sinon ça l'explose aussi. Mais sinon, après, voilà, on aurait pu faire des manches illimitées, on aurait pu continuer, on aurait pu aller très loin. N'oubliez pas de vous abonner, liker, activer la cloche de notification, et on se retrouve bientôt sur le jeu.